Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5 Glad Giraffe. Donc chers amis, on va se retrouver pour cette salle-ci, en tout cas l'avant-dernière salle réellement. Véritable salle en fait, simplement. Hein. Ah c'est con, regardez en fait, j'ai pas compris. Il est coincé à droite, regardez, parce qu'en fait il capte pas. Il est pas assez grand pour faire capter le truc en haut. Enfin bon. Donc on va faire un slash spawn item. Human. Parce qu'on est des humains. Ship Looker. On fait pop 99. Crac, et vous voyez que ça apparaît. Et en fait on va reproduire celui-ci. À plusieurs endroits du vaisseau tout simplement. Hop. Crac. Crac. Intentionnellement je laisse... zut, je l'ai fait un rang trop haut. Je laisse deux ici intentionnellement, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors. Où sont-ils? Ici, hop. Crac. Voilà. Il faudra que j'aille faire des recherches d'ailleurs à ce sujet. Hop, on peut en faire un ici. Comme d'habitude, on va garder notre système de sol. D'ailleurs, voilà. Crac. Et nos plateformes entre deux. Intentionnellement, je ne mets pas de levée, tout simplement, entre guillemets. Parce qu'il y a moyen de sauter, quoi. Tout simplement. Là, on est bon, donc vous voyez qu'en fait, chaque locker à sa propre quantité, et je trouve qu'en fait l'aspect verrouillé du truc donne un véritable aspect ouais non là ça fait trop, effectivement vous avez raison, ça fait trop, enfin vous avez raison, j'estime que vous avez pensé que ça faisait trop. On va plutôt faire ça comme ça. Et en fait on va faire une salle dans la salle. Parce que moi c'est ce que j'avais l'intention de faire dès le départ. Hop. Enfin, dès le départ, dès que j'ai commencé à faire cette salle en tout cas. C'est-à-dire il y a à peu près 10 secondes. J'avais l'intention de faire ça au niveau du truc à côté là-bas. Hop, mais ce n'est pas grave. Vous avez raison, ça faisait un peu trop. Hop, voilà. Donc on se retrouve avec le même système en fait que tout à l'heure. Hein. Ni plus ni moins. Hop. J'ai été stupide. J'ai été encore plus stupide. Qu'est-ce que j'aime être stupide? Et là j'ai été imprécis en plus. C'est génial. Bon, alors on reprend. Ici ce sera ceci. Ici, ce sera ceci. Ici, ceci. Bien entendu, ici, hop, on va mettre un scanner. Ici aussi. Au niveau des portes, comment je vais me dépatouiller? Comment je vais me dépatouiller? Alors, est-ce que ça passerait comme ça? Tout simplement. Sans chercher trop loin. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Hop. C'est marrant, mon jeu lag. Un instant, je vais vérifier ça. Heureux, alors est-ce que ça va être mieux maintenant? Je ne sais pas. Hop. Quoi qu'il en soit, cette porte est fonctionnelle. Par contre, qu'est-ce que je mets en fond? Ah, normalement, ça lag toujours autant. Hein. Incroyable. Ça ne laguait pas avant, mais aujourd'hui ça lague. Alors je sais que certaines personnes se sont rendu compte qu'il y avait des lags sur le jeu, qu'il fallait parfois relancer plusieurs fois le jeu. Je pense pas que ce soit mon cas, hein. Enfin, ça m'étonnerait. Non, là ça fait très très moche. Soyons honnêtes.
Hop. J'ai des lags, j'ai une chier de lags. Je n'avais pas ça avant, c'est extrêmement gênant. Et je crois que ça vient de cette saloperie. Donc j'avais dit qu'un jour, je devrais tous les buter. Ce jour. Est arrivé. On prendra la chasse à zéro, chers amis. Forcément, j'ai deux sails, donc j'ai deux chats, ce sera résolu avant la fin. Ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai encore des lags, hein. C'est incroyable ça. Donc, oui, je disais. Ici, plutôt, on va mettre ces cubes-là. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le départ. Voilà. Et ça ne semble pas être trop gênant, un petit peu quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a une zone ici où on a accès à tout ce qui est en jaune. Ça, je vais le virer. On en a plus besoin. Ah, j'ai plus de place sur moi, c'est ça? C'est ça. Ça aussi, je peux le virer. Parfait. J'ai oublié de mettre. De chaque côté ici. Crac. Voilà. Et maintenant un petit peu d'éclairage. En éclairage dans ces salles, je mettrais bien ceci. Aux quatre coins, forcément. Et donc, dans un souci de lumière, d'habitude, vous connaissez le principe. Hop. Ah, est-ce que ça viendrait pas simplement du fait que j'ai mis trop de trucs en fonction de hop. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Bon, ce serait sans doute ça, hein. En tout cas, c'est extrêmement gênant. Parce que j'ai un PC qui fait tourner du 4K sur certains jeux. Mais pas. Pas Starbound, c'est vraiment chiant. Alors. Ok. On s'en sort. Ici, pardon. Le jeu qui me dit non, ta gueule, tu fais une connerie. Voilà. Ok, bon, jusque-là, on sort pas trop mal. Qu'est-ce qui nous reste, techniquement? Moi, j'aurais bien envie de mettre des lockers autour de là. J'ai envie de mettre plein de choses, hein, je vais le dire, hein. Je vais réussir à le dire un jour ou l'autre, de manière. Vous allez voir. Forcément, elles ne sont pas disponibles ici. Bah du coup, un instant, chers amis, je reviens. Re, chers amis, alors, j'ai trouvé ce que j'ai pu. Ce que je voulais à la base. Maintenant, le tout, ça va être encore d'arriver à les mettre. Alors. Hop. Voilà. Non, tant pis, c'est pas grave, je vais enlever ça. Il n'y aura peut-être pas d'étage à cet endroit. Oh, j'ai cassé. J'ai cassé la porte. Fais chier. C'est vrai que sans lumière, en fait, on voit pas des masses. Mais c'est fait exprès, hein. C'est pour pas qu'on puisse servir comment, du truc comme d'une lumière, justement, mais. Enfin bon, ça reste. Hop, voilà. Ah oui, donc non, non, c'est bon. Bah merde, c'était allumé il y a 2 secondes. Qu'il est con. Hop. Alors, hop. Hop. Parfait. Donc je vous laisserai le nom affiché une seconde tout de suite là. Hop, regardez.
Hop, enchaîne Striplight. Vous mettez ça sur n'importe quel logiciel, site internet que vous avez, que vous connaissez. Hop. Se basant sur comment, le jeu en lui-même, et vous trouverez automatiquement votre bonheur, normalement. Hop, voilà. Donc on a réussi à avoir un système ici. Hop, alors j'aimerais juste. Oula. Crac. Maintenant que j'ai obtenu ce que je voulais, j'aimerais continuer dans le même domaine. Hop. Crac. Est-ce que je fais continuer de 1? Hop. Voilà. Crac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour donner à Sail, en fait, moi je voudrais donner à Sail, c'est vraiment le gros boost d'énergie, quoi. Non, ça passera pas. Vous savez, il faut vraiment qu'il ait le pouvoir, quoi. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans qui ferait genre, ça fait une grosse pile, quoi. Même pas. Décoration, peut-être non, décoration. Pas trouver grand chose, j'ai l'impression, c'est marrant. J'ai un doute. Parce que bon, ça et ça, c'est assez moche, hein. Soyons honnêtes. On trouvera peut-être. Mais peut-être pas. Mais peut-être que si. Ou peut-être pas. On n'a pas de bol. Des bongos. Oh. Ah! Ouais, non, ça part sur des câbles, là, c'est pas bon. Ah, je vais pas trouver ce que je veux, hein, ça va être terrible. Ouf, non, c'est moche. Ça c'est nul. C'est un gros 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 diamant ou c'est un petit? Gars, laisse-moi. Hop, c'est un gros diamant. Ah! Un gros diamant. Ça peut être intéressant. On peut peut-être en faire quelque chose. Pas le bon. Merde. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Peut-être que j'en enlève un. Hop, voilà. Là, j'y mettrai, pourquoi pas. Pourquoi pas ça. Hop. Ensuite, j'y mets le gros diamant. Crac. Crac. Crac.
Crac. Plus ou moins là, normalement. Hop. C'est pas le bon. C'est celui-là. Remarque, j'aurais très bien pu mettre celui-là à sa place. Et hop. Hop. Ah, il est pas exactement centré. Non. Oh, putain. Ou alors, je fais simplement crac, crac. Et ils repartent dans le vaisseau. Ouais, mais c'est naze. Ça fait, tu te dis que ça fait tout ça pour rien, quoi. Ou alors, je sais pas s'il passerait. Je sais pas s'il passerait, sinon ce serait génial. Déjà, il passera pas là. Est-ce qu'il passerait là? Ok, alors maintenant. Hop. Est-ce qu'il passe? Ah, il est trop balèze! Ah oh, putain! J'ai cru l'espace d'un instant! Ah! Non, on va pas s'embêter. On va faire un truc tout simple, un simple carré circule, enfin. Un simple carré classique. Voilà. Ouais, ça rend pas. Hein. Ça rend pas génial, mais bon, c'est ce que je voulais plus ou moins faire. Bah, ça rend pas. Je pensais que ça allait être mieux. Ah, je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à mieux, chers amis. C'est d'une tristesse. Oh, si, je sais ce que je pourrais faire. Hop. Vous aimez pas, parce que je sais que j'en mets plein. Ça, vous savez que j'en mets plein partout. Hop. Voilà, et je les mets à côté, ce sera en fait ce que nous choisirons de mettre potentiellement ensuite à comment... à 3D printer, entre guillemets. Avec un peu de bol, je peux même avoir un léger rendu sympa. Il va falloir un petit peu de bol. Et je suis baisé. Ou alors j'en mets un peu moins. Hop. Voilà. Ça donne même pas parce qu'ils ont pas de... Ils sont vraiment plats en fait. Ce qu'il faudrait que je rajoute... Ça je suis sûr que vous l'avez vu venir à 3 km chers amis aussi. C'est les petits là, les trucs, les vrais lockers blancs. Cool looker là ou je sais pas quoi. Laboratory. Labo, voilà, on les a vus en plus l'espace d'une seconde, voilà. Et normalement, là, je vais avoir la profondeur de champ. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Simplement ça, peut-être ? Ça fait un étage en haut qui sert strictement à rien. Par conséquent, s'il ne sert à rien, on le remet en classique. Hop. Et on y place... des lumières, j'imagine. Oui, il y a une certaine... Je suis vexé.
On va s'arrêter là. Je vais juste te dire que je suis vexé. Hein. On va pas aller plus loin. Je vais pas dire plus de conneries. Je m'attendais à faire beaucoup mieux et au final j'ai fait très très peu. Et je me rends compte que potentiellement il me manque certaines choses. Certains objets en l'occurrence. En l'occurrence celui-ci. Qui n'est pas centrable, pardon. Est-ce que je l'aurais mis ailleurs? Non, je vois pas où est-ce que j'aurais pu le mettre d'autre. On peut pas le mettre là. C'est la chatastrophe, chers amis. Quoique, non, attendez. Hop. Hop. Voilà. Oh. Putain. Toi, t'es trop près. Ah bon, c'est pas crucible? Oh putain. Hop. Quoi? Tu te fous de ma gueule? C'est pas possible. C'est pas crucible. Ah bon. Pourquoi? Où est-ce que j'aurais inventé ça? Atomic Furnace. Voilà. Ok, donc on voit bien que celle-là ne passera pas. Ok, cependant, tu réussiras à le placer, mon machin. Où sont les autres? Ici. Hop. Remarque, j'ai pas l'impression d'avoir expérimenté beaucoup de lag sur cet enregistrement. C'est marrant. Hop. Voilà. Qui me fait une lumière constante en plus. Et donc ils sont placés. Ça c'est moche. Soyons honnêtes, c'est très très laid. Ok. Il va falloir que je vide tout ça. Il va falloir que je pense à vider tout ça. Trop gros. C'est vrai qu'on aurait dit que c'était une vache quand même, hein. Merde. je sais pas. Déjà ça, peut-être. Pour que ça ait un petit côté réaliste, entre guillemets. Voilà. Déjà ça aussi. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah si, j'ai trouvé. C'est tout con. Hop. 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 Et là vous dites mais qu'est-ce qui branle? Hop. Ah, j'en ai plus assez. Liquide. Ah, je vais pas avoir ce que je veux. Je reviens. Re, chers amis. Alors, slash spawn item liquide fuel tout simplement. 999. C'est pas grave. Crac. Et donc
Hop là. Voilà la réserve de carburant. Bon, je peux le mettre. Oh non, je vais pas le mettre. Faut jouer le jeu quand même. Voilà. Et donc, pour faire un truc bien dans la réserve de carburant, qu'est-ce qui se passe si on y met ce genre de lumière? Ça éclaire juste. J'attendais à mieux. Je l'admets, je m'attendais à mieux. Je sais ce que je vais mettre aussi. Hop. Ah, je me suis trompé de touche. Green. Il est où? Là. Alors s'il fait du bruit, par contre, je le mets pas. Mais il marche pas. Comme ça, c'est clair. Je l'ai dans le fion. Cette couleur-là, ça donne quoi dedans? Ah, ça fait comme un liquide de refroidissement, c'est marrant. Ça peut être sympa. Venez voir ce que vous faites là-dedans, quoi. Hop. Hop. Enfin, comme un système de refroidissement, pardon, pas comme un liquide de refroidissement. Hop. Oui, je sais, j'abuse de ce truc-là. Je sais. Vous avez raison. Et alors? Et alors? Hop. Crac. Crac. Hop. Hop. Crac et crac. Et juste pour vous faire chier. Et là, il y aura un petit peu de temps. Voilà. En fait, tant qu'il y aura du liquide, ce sera allumé. Quand il y aura plus de liquide du tout, ça ne le sera plus. Pas besoin d'en mettre deux. Voilà! Ce qui fait que normalement, regardez. Hop. Ah! Je pourrais jamais en pondre suffisamment! Non! Putain! Ce jeu qui veut me la faire à l'envers, absolument. Ok. Tu veux te la faire comme ça. Ok. Ok, on va jouer ton jeu, hein. Écoute. Crac. Voilà. Tu la sens, ma grosse réserve de carburant? Surtout ne fais pas clic droit, Marcus. Ne fais pas clic droit. Voilà. Et donc là, tout est éteint. Si je rajoute le liquide manquant, tout est bon. Voilà. Bon, c'est efficace. Enfin, ça fonctionne. C'est effectif. Ok. N'empêche qu'il manque encore quelque chose ici. Bah ça, on va mettre ça, tant pis. C'est assez moche, mais... On peut s'imaginer qu'il en a besoin. Hein. Voilà. Voilà. Et il nous restera donc pour le prochain épisode le cockpit à réaliser avec son bouclier au-dessus. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On se retrouve dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.